Doubtless production on the track, on the track. Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour qu'on puisse parler un petit peu des chiens de garde. La première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que c'est un chien de garde? Un chien de garde, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pour moi, un chien de garde, c'est déjà un chien qui va être attentionné envers son maître, qui va faire attention à lui et qui va développer une attention, un attachement envers son maître. Il y a certains chiens qui ont plus de mal à s'attacher à leur maître, on les voit beaucoup plus ingrats. Que d'autres. C'est pour ça qu'il y a une sélection dans le chien de garde, du Tervuren, du Malinois, etc. parce que c'est des chiens qui sont proches de leur maître. Ils ont d'autres caractéristiques, mais déjà celui-ci il est très important. Un chien de garde, un vrai, ça se maîtrise. Si déjà on ne peut pas maîtriser le chien traditionnel, il ne faut pas se lancer dans la possession d'un chien de garde. Parce que on pourrait dire que n'importe quel chien est gardien, mais il y a gardien et gardien, parce que lorsqu'il se passe une vraie agression, il se diffuse dans l'atmosphère une espèce d'angoisse, de stress, qui fait que votre chien sait très bien que ce n'est pas une simulation. D'ailleurs, on peut l'observer quand il y a des chiens qui vont au mordant et qu'en situation réelle, le chien il fuit. Donc le mordant, ce n'est pas non plus l'outil principal pour fabriquer un chien de garde. Le premier outil pour fabriquer un chien de garde, c'est un bon maître. C'est un maître qui sait maîtriser son chien et qui sait lui transmettre son caractère. Parce que le chien, forcément, s'il a une éducation qui est rigoureuse et qui est maîtrisée tout au long de sa vie, on va avoir un chien non seulement qui est maîtrisé, mais qui a confiance en lui. J'ai beaucoup observé qu'à l'achat d'un chiot, quand les personnes souhaitent un chien de garde, on les oriente directement vers le mordant. Et ce qui est quand même grave, c'est qu'on travaille en premier l'excitation du chien, c'est-à-dire qu'on va apprendre au chien à s'exciter avant de lui apprendre à se calmer. Donc si on ne sait pas maîtriser forcément son chien en état normal, quand il va être en excitation, ça va être encore plus dur. Et là, on lui apprend à s'exciter. Donc dès petit, il va grandir avec ce truc d'excitation. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est déjà d'apprendre à maîtriser vos chiens et ensuite de passer à des activités comme le mordant. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, il y a des agressions qui sont de plus en plus violentes et que vous soyez avec un bulldog français ou un malinois, vous êtes susceptible de vous faire agresser. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas, on voit certains faits divers qui montrent que cela se produit. Donc un chien de garde, c'est quoi? C'est un chien qui va délimiter un périmètre autour de vous et qui va vous protéger face à une agression. Mais sans passer par le mordant, votre chien, avec la simple relation que vous allez avoir, va avoir l'envie de vous défendre. Ce qui pourrait empêcher votre chien de vous défendre, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que vous allez humaniser votre chien au point qu'il en devient trop sensible pour ce genre de choses. Donc, le conseil que je donne pour les personnes qui veulent un chien de garde, c'est de toujours garder ce recul avec son chien et de ne pas entrer dans ce système de copain où on ne sait plus trop qui est le maître. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a rien de plus grave d'avoir un chien qui a le potentiel pour être gardien et un maître qui n'a pas compris ce qu'il avait entre les mains. Donc il faut vraiment faire bien la différence. Un chien de garde aussi, c'est un chien qui n'a pas subi de traumatisme dans sa période de développement. Il suffit qu'il subisse une attaque de chien ou une agression d'une personne et ça va marquer le chien et du coup c'est plus difficile de le mettre en confiance. Donc il faut un peu mettre son chien dans une bulle la première année pour pouvoir le construire et qu'il soit apprêté à vivre ce genre de situation si votre vie fait que vous êtes amené à vous retrouver dans ce cas de figure. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de commerçants qui achètent des chiens, déjà peut-être pour se rassurer et pour aussi avoir un effet dissuasif sur le phénomène de braquage, etc. Donc déjà, si vous êtes attiré par le mordant, je pense que vous devez déjà
équilibrer votre chien, le prendre en main, créer une obéissance avec. Et de là, on va pouvoir attaquer des activités comme le mordant, etc. Donc rapprochez-vous des professionnels qui vous font pratiquer ce genre d'activité. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vous diront toujours qu'il faut que vous appreniez à maîtriser votre chien avant de vous lancer dans le déclenchement de la morsure de son chien. Parce que c'est pas le tout de vouloir un chien de garde, il faut savoir aussi s'en occuper, le maîtriser. Un chien de garde, c'est un chien aussi qu'on occupe. Certaines personnes laissent les chiens comme ça dans le jardin errer, mais c'est pas les meilleurs chiens de garde. Ça, c'est des chiens qui gardent leur territoire, mais il n'y a aucune relation fabriquée avec le maître. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'un chien de garde, quand même, il est prêt à donner sa vie pour vous, et donc il faut être prêt à donner son temps. C'est obligatoire. Le sujet de la vidéo, il est venu naturellement. Je vous explique pourquoi. C'est que Mickey a subi une agression, donc dans les cas de figure que je vous ai dit, et que maintenant, il faut qu'on puisse le remettre en confiance. Alors certains vont utiliser le mordant pour remettre en confiance un chien, sauf que Mickey, il ne peut pas reprendre confiance comme ça. Déjà que ce n'est pas un chien qui aime faire mal, donc le mordant, ce n'est pas approprié. Mais le fait de côtoyer des gens qui vont le mettre en confiance, c'est ça qui va le remonter vers du positif. Donc l'outil, j'arrête pas de vous le répéter, mais l'outil principal vraiment pour guider son chien, que ce soit un chien de garde, un chien de berger, peu importe, c'est vous. C'est votre manière de faire et pas les outils que vous allez utiliser. J'insiste beaucoup sur le fait de vous dire qu'il faut apprendre à contrôler son chien avant d'en fabriquer un chien de garde. Je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer visuellement. Parce que on vous montre souvent sur internet des chiens qui sont préfabriqués. C'est-à-dire qu'ils vont obéir parce qu'il y a un boudin en jeu, il y a toujours une récompense en jeu. Ce que vous allez voir, c'est une agressivité naturelle parce que le chien m'apprécie et parce qu'il va détecter un comportement qui est anormal. Du coup, il va riposter. Tout simplement, c'est dans son fonctionnement, c'est comme ça. Il n'y a personne derrière moi et la chienne, elle n'est pas bête. Elle va détecter quelque chose d'anormal et elle va s'en prendre à la personne qui va déclencher cette chose anormale. C'est un chien que j'ai récupéré, il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir l'approcher parce que justement elle était agressive et que cette agressivité, elle ne s'est pas retournée contre moi. Elle s'en sert pour me protéger, alors c'est son truc. Et il faut que je sois capable de maîtriser ce chien parce que sinon je mets en danger la population. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement. Voilà. Donc, vous comprenez que je ne peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Il faut que je sois maître de ce chien parce que je ne peux pas me balader comme ça et me permettre de ne pas savoir contrôler ce chien. Donc c'est vraiment quelque chose d'automatisé. C'est vraiment, comme vous pouvez voir, voilà, un chien de garde, c'est ça. C'est un chien qui est content de protéger son maître. Alors ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir comme chair à saucisse, quoi, mais c'est un compagnon, c'est fiable, et un chien, contrairement à l'humain, il est capable de donner sa vie pour son maître, quoi. Alors que le maître n'est pas forcément capable de donner sa vie pour son chien. Donc il y a chien de garde et préparation chien de garde, c'est-à-dire qu'un simple particulier, s'il prend le choix de se fabriquer un chien d'assaut, il faut qu'il en soit responsable et maître. C'est vraiment primordial. C'est...